Jésus, viens. Yes ou bana. Ou bien Jésus, reviens. Yes ou trop bana. On va plus dire Jésus, viens. On va dire Jésus. Parce qu'il est déjà venu. Une fois. D'accord. Mais il va encore venir une deuxième fois. Elle a compris. Mais cette deuxième fois, il va venir là. C'est ce sont un peu différents. Elle a tout pour vous. Il va pas toucher ces terres. Si jamais le pied de tous ces terres, c'est le jugement. Mais il va pour quand il va dire pas bon, d'autres ne. Si jamais le pied de Jésus touche la terre là. Alléluia. Amen. Donc, viens là. Mais à quoi pas? Il va pas venir sur la terre. Mais il va pas pour droit d'imaginer. C'est nous qui allons le rejoindre. Yahweh l'a mis deux côtés là. Lui nous attend. Il nous attend à la frontière. Et il a noté comme il est bien dit. Et il nous appelle de venir. Et il a eu un ami à vailler. Alléluia. Amen. Et on sera parti. Il a mis la joie. Donc, il nous appelle de venir. Elle a eu un ami à vailler. Il nous a appelé de venir. Donc on était quelque part, il nous appelle de venir. À la frontière du ciel. Et la frontière du ciel, c'est le réveil. C'est le réveil. Ceux qui ont l'habitude de voyager là. Quand vous avez la frontière, vous avez votre ancien pays. Et vous avez le nouveau pays. Il y a jusqu'à faire quoi? Quelques petites formalités. Et traverser. Même à pied. Mais tu peux faire comme ça. Et rentrer. Allô, à quoi? C'est ça le réveil. Amen. C'est ça le réveil. Gloire à Jésus. Donc le réveil, c'est pas une église. Mais c'est pas une église. S'il vous plaît, c'est pas une église. Le Seigneur nous a jamais parlé d'église. Après tout, on a une église. Le Seigneur nous a jamais parlé d'église. L'église a son système, a sa façon d'organisation. On n'avait pas le temps même de mettre en place un système. On dit Jésus vient. On dit Jésus revient. On dit Jésus revient. On mettre quoi? En place système. C'est trop tard. Les systèmes n'ont pas marché. Alléluia. Les systèmes n'ont pas marché. Donc, le réveil. Je prends un mot du frère. C'est un mouvement de rassemblement. Ceux qui décident d'aller au ciel. Alléluia. Amen. On se rassemble à un point donné. Le maître. Et on a cette vierge là. Ils se sont rassemblés pour attendre. Elles étaient là, tous. Elles attendaient. À un moment donné, c'était ce soir. Parce que ça tardait. Juste à ce que la Bible dit que le lampe s'éteignait et il fallait trouver tout. Alléluia. Amen. Donc, le temps d'aller chercher de l'huile à ton prédation. Et cinq sont partis. Et les cinq autres ont commencé par crier. Ont commencé par gémir, ont commencé par frapper. Mais, quand la porte se ferme. Alléluia. Amen. Il y a plus de possibilité de l'ouvrir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le réveil est venu pour rassembler tous les élus. Parce que c'est les élus qui auront au ciel. Alléluia. Amen. Ce sont les élus qui auront au ciel. Amen. Amen. Donc, le réveil, c'est ce mouvement du Saint-Esprit. Le réveil, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le réveil, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui rassemble dans les quatre du monde. Et il y a pour vous les tous les élus. C'est pourquoi le réveil est venu d'abord pour secouer les églises. C'est comme un bruit qui est rentré dans toutes les églises. Et les portes s'ouvrent. Et les brebis commencent par sortir. Et
Et comment pas sortir des églises pour venir à la lumière, pour dire, Jésus m'a dit de m'apprêter. Donc je sors rapidement du monde. Je sors rapidement des systèmes. Et je viens au rassemblement. C'est ça, c'est comme cela a sifflé. Et là, au cas. Rassemblement. Tous les soldats, les soldats de rassemblement. C'est quelque chose de comme ça le réveil. Donc, lorsque tu es dans le réveil, tu dois changer la mentalité de religion. La mentalité de religion. Le religieux, c'est celui-là. C'est la dimension de voix. Le dimanche, on le voit. Et sa sœur, il a toujours une place. Dans l'église, il a une chaise. Il a une direction où il reste dans l'église. Et il est là. Le religieux, c'est lui qui danse. C'est lui qui chante. C'est lui qui apporte offrande. C'est lui à qui on prie. Et il rentre à la maison. C'est ça le religieux. Alléluia. Amen. Le réveil, c'est pas ça. Non, la moule est mort. Non. Alléluia. Amen. Le réveil. Non. C'est ceux qui ont reçu la lumière. Et viennent. Et constatent que réellement ils sont dans la lumière. Et ils voient, ils sont dans les ténèbres. Et ils courent pour les chercher et ramener. Et ils vont encore pour chercher et ramener. C'est ça le réveil. Tu ramènes. Tu ramènes. Alléluia. Amen. C'est ça le réveil. Quelqu'un appelle la sainte doctrine. Quelqu'un appelle la repentance. Alléluia. Amen. Donc, si toi tu viens souvent le dimanche à l'église, tu veux t'asseoir, danser. Tu n'as rien à porter dans le royaume de Dieu. Absolument bien. Alléluia, vous n'avez rien à côté. Le royaume de Dieu doit être agrandi. Le royaume de Dieu doit être travaillé. Au jour le jour, le royaume de Dieu travaille. Quand ils n'ont pas de congé. On va demander à une jeune sorcière pour dire, est-ce que vous avez des congés dans l'année? Non, ils ne connaissent pas ce qu'on peut congé. Effectivement, le diable ne se repose pas. Le diable se repose, il ne connaît pas repos. Mais qui se promène? Il passe partout. Alléluia. Amen. Donc, nous, notre mission, lorsque Jésus nous a appelés, nous a dit quelque chose. Alléluia. Amen. Lorsque je ne commence pas à poser la question, lorsque tu es venu ici, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Beaucoup seront bloqués. Beaucoup ne vont même pas comprendre la question que je pose. Jésus t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire ici? Ah non. Bon, Jésus m'a dit de parler ici. Jésus m'a dit de ranger les chaises. Ça, ça veut rien dire. Ranger les chaises, c'est lorsqu'on a rassemblé. Alléluia. C'est lorsqu'on veut prier qu'on allait. Mais est-ce que ça a un effet sur ceux qui sont dans les ténèbres? Non. Ça veut dire que notre mission, c'est d'aller. Alléluia. Amen. C'est d'aller évangéliser. Donc, chacun ici, là, va avoir des personnes qui l'a gagné. C'est comme ça. Si tu es là, tu es venu à la lumière. Parce que tu as reçu la lumière, tu t'es converti. Tu t'es repenti. La repentance, c'est que tu t'es séparé des ténèbres. Tu es ouvert de la lumière maintenant. Et tu dois aller chercher les autres. Si tu es là, et que tu n'as cherché personne, tu seras comparé à cette vie stérile. Ou bien à ce figuier stérile qui ne porte pas de fruit. Malgré tous les choses qu'on lui porte dans la vie, on fait tout. Le figuier ne pense qu'à lui seul. Ne veut donner le fruit à personne. Donc vous devez descendre. Moi, je suis pas serviteur. Qui a dit que c'est le serviteur? Quand Jésus a dit aller, il a dit les serviteurs, les apôtres, les prophètes, les diables, allez.
on vous voit, restez. C'est ce qu'il a dit. Il a précisé. Viens aller sur le mont. Allez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réveil, ça va venir s'asseoir à l'église. Non. On peut même venir dimanche là. Et ne pas rester ici, aller évangéliser. Si ça va être ça, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc chacun. Doit prendre conscience que la mission qu'il a reçue, que l'appel que Dieu, parce que Dieu appelle, il te donne une feuille de route. Et la feuille de route, c'est aller. Sortez les gens de tout. S'il faut avant qu'on le fait sortir, s'il faut chasser les démons, on va chasser les démons. S'il faut guérir les malades, on va guérir les malades. Donc, on va utiliser toute la puissance de Dieu pour libérer les actes des ténèbres. C'est un combat. Alléluia. Les soldats qui viennent libérer des prisons doivent s'attendre à tout. C'est pourquoi on leur donne des armes. Vous avez des armes. Vous avez les dons de guérison. Vous avez les dons de miracles. Vous avez les dons de révélation. Vous avez tous ces souvenirs. C'est ça, mais quand vous devez exploiter, vous gagnez. Comment? Quand on vient ici là, mais on va te faire un réveil. On ne va pas avoir cet effectif là. Alléluia. Amen. C'est pas ça. Mais c'est l'église. Non, mais alors que nous y allons non plus. Ça c'est l'église. Aïe, toi tu es. Vraiment, ne soyez pas église. Ni gagnez toi tu es. Ne soyez pas église. Ni gagnez système. Non. Ni gagnez toi tu es. Soyez le mouvement. Réveil. Non. Jésus revient. Yes, c'est le seul langage. Jésus revient. Yes, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le petit message, l'introduction que j'ai pour vous, c'est ça, et aussi les encouragements du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Le Seigneur nous a envoyé ce matin, je ne suis pas seul, je suis là avec une délégation de deux personnes. Alléluia, le prophète Étienne et moi-même. Et nous sommes venus pour une mission. Et depuis hier. Hier, nous avons mis sur le travail avec un des serviteurs de Dieu. On a fait une veillée. On a fait une veillée, c'est pourquoi ce matin, on a constaté qu'il y a quelques résultats. Et le message, c'est le message d'encouragement. Et vous devez savoir une chose, que les tribulations, les persécutions, les épreuves sont les moyens par lesquels nous irons au ciel. Alléluia. Les épreuves, les persécutions, les tribulations sont les moyens par lesquels nous irons au ciel. Tu veux aller au ciel? Tu veux aller au ciel? Il te faut des preuves. Tu veux aller au ciel? Il te faut des tribulations. Tu veux aller au ciel? Il te faut des persécutions. C'est les moyens pour aller au ciel. Le problème, c'est que beaucoup ne comprennent pas ce que c'est les tribulations, ce que c'est les épreuves, les persécutions, etc. Pourquoi on dit persécution, tribulation? D'abord, parce que c'est les parents qui vont les chasser, les patrons qui vont les rejeter, les licencier à cause du fait qu'ils ont accepté la sainte doctrine. Ça là, mais ça fait partie. Alléluia. Quand on parle de tribulation, l'église tremble. Ceux qui ont pris une fois le bateau là, et la pirogue là, lorsque la pirogue veut chavirer, ça fait le secousse. Tout le monde commence à trembler dedans. La tribulation a lui dedans. C'est les gens contre les autres. Est-ce qu'on peut faire ça dans l'église?
Là, vous ne comprenez pas encore. Eh, mais quoi, c'est ton nom? Les vrais persécuteurs. Eh, yo, me tira, on va voir. Ceux qui le disent alors. Ah, oui, il y a un peu de blanc, mais qui a pas non, là. Alléluia. Amen. Les vrais persécuteurs, c'est ceux qui t'embrassent. Amen, yo, a ti, yo, mais il y a un peu de blanc, mais il y a un classique, on a. Les vrais persécuteurs, c'est ceux qui te souillent. Je ne dis pas pour dire que vous êtes des persécuteurs. Je ne dis pas dit ça. Je vais vous parler pour ouvrir vos yeux. Mais sur les réalités de la tribulation. Les réalités de la persécution. Nous, tout à l'heure, vous êtes séparés du monde. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur. Après toi là, qu'est-ce qu'il fait Kabeona. Lui-même étant Dieu suprême, c'est pas qu'il est capable de t'arrêter les persécutions des frères, d'arrêter les injustices des frères. Mais il utilise ses moyens arrêtés pour éprouver chaque personne. Dans l'église, le il y a, certaines personnes, amen. Elles ont la langue blessante. Ah, on doit dire que nous sommes. Alléluia. Amen. Tout ce qu'elle dit est tout blessé. Nous savons que le glola est siname. Injurié. Abromi, quelqu'un m'a dit. Alléluia. Amen. Dans l'église. Le hamam. Il y a des gens. Amoli. Ils ont les cœurs durs. Et tu sens non. Des cœurs insensibles. Et tu as un sens. Alléluia. Amen. Des cœurs insensibles. Oui, tu quelqu'un m'a dit. Dans l'église. Le hamam. Est-ce qu'on appelle les hypocrites? Dans l'église, il y a ce qu'on appelle les calomniateurs, les journalistes. Journalistes de l'église. Travaillent 24 sur 24 comme le chef. Alléluia. Amen. Cela pour collecter les faits. Qu'est-ce que c'est pas venu? Tu sais pas. Tout le monde a le Saint-Esprit. Mais ça, tout le monde sait que ça, c'est péché. Tout le monde sait que ça, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Tout le monde a le Saint-Esprit. Et le problème, comment se fait que celui qui a le Saint-Esprit peut se permettre à titre de mot de développer toutes ces choses que je viens de citer. Visiblement, quand on voit, on voit une église, joyeuse, une église, vraiment, ça va. Mais quand on va lever le voile, le corps qui danse, elle a enlevé les mèches qui descendent jusqu'au pied. Elle a enlevé les sangles de 1 mètre. Elle a enlevé les éventails ceux qui sont sur les yeux. Alléluia. Elle a enlevé toutes ces choses. Quand on voit dire, femme sainte, femme vertueuse, Saint Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle aussi
Elle se tient et dit oui. Je suis femme pécheuse. Je suis sanctifiée. Je suis plus dans ces choses. Elle est fière de ça. Alléluia. Amen. Elle est fière de ça. Elle a enlevé les mèches. Elle a enlevé tous ses ornements. Mais voilà, elle veut les placer dans son cœur. Ah, elle part faire d'aller yeba team. Elle l'a mis au catangoa pour yeba team. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand j'étais encore dans le monde. Mais donc quoi, il veut quand même nos. Alléluia. Amen. Souvent lorsqu'on veut recevoir l'invité, il a quoi mettre? Et que la chambre est sale. Il est au podium. Et que la personne est déjà à la porte. Il y a. Qu'est-ce qu'on fait? On prend balai. Allez, on met les ordures à son coin. Alléluia. Amen. Et on met quelque chose, on coupe ça. Ah, yo, tu n'as rien de toi, ton ami. On dit pas rapidement, on arrête, on va manger. Alléluia. Amen. Si tu fais une journée, deux jours, toi, tu peux mettre ton ami. Ah, non, Alléluia. Donc quelques instants, le tu découvres les réalités. Le I, y a donc besoin de toi. Ouais, tu es sûr, y a ce mot. Ouais. Ah, non, bien, dis donc mon nom, non. Là, je suis comme ça. Dada, il y a une maille. Il est comme ça. Mais il était toujours comme ça. Il est toujours comme ça. Donc, le dépouillement. Ça a dépouillement, non, mais. En réalité, c'est un dépouillement d'apparence. Le n'y a pas, mais. Elle est beau à ce dépouillement d'apparence. C'est ça qui est plus dangereux. Et il y a un à fort pour toi. Le dépouillement d'apparence. Je sais pas être dépouillement. Dangereux que les ornements. C'est plus dangereux. Alléluia. Amen. Parce que le déploiement d'apparence est de l'hypocrisie. L'autre est vrai. Et c'est ce que tu vas voir. Donc elle ne trompe personne. Mais l'autre, la première, qui a enlevé tout. Il les a cachés dans son corps. Et donc, le pire, toi, vous l'avez dit. Je vous ai dit une fois ici, ce n'est pas des saints qui savent. Vous pouvez nettoyer, vous pouvez avoir votre maison. Il y a tellement de choses qui a beaucoup de chambres. Il y a de choses. Ça va coucher. Un grand salon. Et donc, vous nettoyez. Vous nettoyez la cour. Vous nettoyez le salon. Vous nettoyez quelques chambres à coucher. Et vous laissez une seule chambre. Où vous entassez les choses, il y a l'obscurité là. Lorsque quelqu'un va venir dans votre maison, vous ne va pas penser que votre maison est propre. Ou bien. Alors, parce qu'il va voir le bac est propre. Elle a fait le bac propre. Le bac est propre. Vous savez pertinemment qui a enduit quelque part. Vous avez enduit quelque part. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Lorsque le Saint-Esprit vient, en réalité, il veut occuper toutes les chambres. Il veut occuper toute la maison. Il veut occuper toute la maison. Alléluia. Il veut occuper toute la maison. Mais le problème, c'est que quand il occupe la cour, le salon, quelques chambres, les qui sont balayées là, et quand il va venir au niveau de l'autre, la dernière chambre, tendue, débarras, il se rétracte. Et c'est comme si la maison n'a été jamais balayée. Cette présence d'ordure va tellement l'attrister. Et dis-donc, elle a cuit blanc. Je ne peux pas rester dans ça. Je ne peux pas aller dans une maison où il y a des ordures cachées quelque part. Ces ordures peuvent amener les cafards, les souris. Alléluia. Et c'est comme ça les cœurs des uns des autres. Tout le cœur n'est pas vidé des sortes. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Il va te remplir comment? Là, yo, le quand tu as encore les sortes, tu te parles. Quand tu remplis comment? Vous voulez qu'on mette du parfum dans les sortes là? Combien? Allô? On parfume les ordures, c'est ça, non? Ouais, si parfumé, dis-moi. Si on parfume les ordures, elles sont toutes les ordures, non? Ah non, non, si parfumé, dis-moi qu'on va continuer. Au contraire, mais le parfum va encore amener encore, va encore devoir encore aggraver le gars. Ah, dis-moi là, gâteau, n'a pas de bain là, gâteau, et tu. C'est comme ça les visions. Mais l'esprit de Dieu est artiste. Il y a un peu de bain là, à type blanc, lui-même.
Et je vais vous donner quelques éléments tout à l'heure. Pour que vous sachiez, si l'Esprit de Dieu acte ici dans votre vie, les indices, les signes. Alléluia. De la tristesse du Saint-Esprit. De la vie du croyant. Et le thème sur lequel nous allons prêcher ce matin, c'est quand ma vie attise le Saint-Esprit. Quand ma vie attriste le Saint-Esprit. Quand ma vie attriste le Saint-Esprit. C'est le thème sur lequel le Saint-Esprit ce matin va nous enseigner. Vous êtes dans un programme de réveil spirituel. Et ce programme, sa finalité, c'est de vous équiper. Alléluia. De vous équiper. De quoi? De cet esprit, n'est-ce pas? Mais avant que l'équipement ne vienne, il faut un travail préliminaire. Alléluia. Il faut un travail préliminaire. C'est pourquoi le roi David va dire, Seigneur, sauve-moi. David a dit, rappelle-moi. Cet esprit, sauve-moi. Fouille-moi. Fouille ma chambre. Fouille la maison. Si tu trouves une ordure, dis-moi cet esprit. Parce que lorsque vous n'êtes pas réellement rempli du Saint-Esprit, le diable va toujours opérer en vous. Parce que cette portion, il n'occupe pas le Saint-Esprit, comme la maison vide ornée va attirer les esprits. Cette maison, cette partie que vous n'avez pas consacrée, cette partie de votre cœur que vous n'avez pas encore consacrée à Dieu, sera pour le diable un terrain. Un terrain d'iniquité. Alléluia. Amen. Un terrain de convoitise. Et ça va rester là. Et c'est ce que la Bible va nous dire, que ça fait la guerre contre notre âme. On va prendre quelques versets. Le thème, c'est quand ma vie attise le Saint-Esprit. Fondamentaux, Romains 12, verset 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Asson, me ferons-nous mignon, vieux, tout ma ou peut-on m'entendre, ma bonne. N'y a-t-on la pointe là-haut, à vos vossa, vossa, babes, si m'tico, et si j'ai, ma ou nous, et si agne, n'y a pas ma ou sous vos soubois, bon comme toi. Aye, migana, n'y a pas anine, non, a dit que si ame. Oh, papi, mitro, mia poe, non, non, ma to, mia poe, tamasusu, poe, ye, ye, wo, wo, ma bon. Bena, mia jo, nous signons, ma polo, la, nous signons, aye, wo, dia, un, nye, aye, wo, le, bibola, ma, akwa, amen. 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 Acte 5. Dans votre attente. Le verset 3. Pourquoi maintenant? Notez le verset, hein. Non, non, on va y travailler. Mais le monde, y'a pas pour le mien. Acte 5, le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Amen. Amen. Que Petro Blonet, Anania, nous cantons Santana. Yo, Jim Fumbe, Nathan Abato, na Bobo Pokela, Aye, Nato, Anigua, Ve Adela Maha. Amen. Le dernier verset. Acte 7, verset 51.
Acte 7, verset 51. Je vais vous dire. Homme au courage, incirconcis de cœur et d'oreille, vous oppressez, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Amen. 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 Nous avons lu ces trois passages. Il nous parle toujours de la même chose. Le premier passage que nous avons lu dans Romains 12, qui nous a exhorté à quoi? À nous offrir, c'est à nous consacrer. Quand on dit qu'on se consacre à Dieu, c'est se donner totalement à Dieu. Tout ce que je suis, je donne à Dieu. Tout ce que j'ai, je donne à Dieu. C'est ça la consécration. Alléluia. Amen. Quand on dit je veux me consacrer à Dieu, ça dit que tout mon être entier appartient à Dieu. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Donc je ne suis plus maître. Je n'ai plus le contrôle de moi-même. Celui qui a le Saint-Esprit n'a plus le contrôle de lui-même. Celui qui a le Saint-Esprit ne dépend plus de lui-même. Ses pensées sont des pensées de l'Esprit. Les pensées de Christ. Sa vie, c'est la vie de l'Esprit. C'est le caractère de l'Esprit. C'est celui-là qui est consacré. C'est celui-là qui a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Quand vous dites aux gens, donne ta vie à Jésus. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est pas seulement croire en Jésus. Vous dites aux gens, consacre-toi à Jésus. Parce qu'il se consacrait à leurs idoles. Maintenant, consacre-toi à Jésus. Donc, toi qui dis à quelqu'un de donner ta vie à Jésus. Toi, tu n'as pas donné totalement ta vie à Jésus. Tu dis à l'autre de donner sa vie à Jésus. Comment tu peux dire à l'autre de se répentir? Pendant que toi aussi, tu as des choses dans ta vie à corriger, à te répentir. Alléluia. Amen. Ma bouche. Qui ne peut pas garder le silence. Tout ce que je vois, je dois raconter. Tout ce que j'entends, je dois dire. Alléluia. Amen. Cette bouche, alléluia. Je ne peux pas donner les yeux. Au Saint-Esprit. Gardez la bouche. Ou donner ma bouche au Saint-Esprit. Et gardez mes oreilles. Tes oreilles, écoute-moi. N'est-ce pas les rumeurs? N'est-ce pas les mensonges? Est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un vous rapporte un fait, il change la nature du fait. Il ajoute pour lui.
Et l'autre aussi prend. Pour apporter. Il ajoute aussi pour lui. Celui qui entend aussi. Il apporte. Il ajoute pour lui. Jusqu'à ce que toi, tu la dernière personne. Donc tu reçois un fait totalement déformé. C'est pourquoi j'ai toujours dit. Lorsque quelqu'un vient à côté de toi et est en train de critiquer un frère, tu as deux possibilités. Soit tu lui dis, ton temps vient à Jésus. Alléluia. Amen. Soit allô, tu es venu chez lui, mais chez elle. Prends ce que tu as amené là. Alléluia. Amen. Vous savez, les rumeurs. Ces rumeurs ont un effet terriblement dévastatrice sur vous. Alléluia. Amen. Les rumeurs sont terriblement dévastatrices dans vos vies. Et le but des rumeurs, c'est que ça, tu veux comprendre pourquoi j'entends ça. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'entends ça? Pourquoi j'entends ça? Pourquoi vous devez vous consacrer? Ce que je vois là, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me permet de voir ça? Quel est le but? Le Saint-Esprit ne veut pas me monter, Jésus va me troubler. Non. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui aiment tellement les rumeurs. Parce qu'ils ont même besoin l'esprit de rumeur. Ils aiment là où on parle des gens, là où on critique les gens. Ils aiment ça. Alléluia. Amen. Ceux qui aiment ça, c'est qu'ils ont l'esprit de l'antéchrist en eux. Les rumeurs, c'est la vie. Tu as appris que, il paraît que, c'est ceci que, ma soeur, ça là, ça dans le filet. Alléluia. Amen. Ça tue. Il y a toujours des oreilles pour écouter ça. Et tout le voir, c'est les oreilles qui écoutent ça. Et puis que c'est un complice. Ok. On a ce premier. Son premier. Quand ma vie a dit le Saint-Esprit. Hey, mais son premier an, vite. Salomon Tagba. Alors vite. Son premier. Son premier. Je l'ai dit. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vous entendez? Heureux l'homme qui ne marche pas. Sur le conseil des méchants. Si tu écoutes, c'est le contraire du heureux, celui qui ne marche pas. Malheur à celui qui écoute. Malheureux, tu es maudit. Si tu écoutes, alléluia. Ceux qui écoutent les rumeurs sont maudits. Ceux qui écoutent les choses critiques. Alléluia. Ceux qui écoutent ces choses là, qu'on raconte partout là, sont maudits. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Voilà. Qui s'arrête, c'est dit qu'ils vont échanger des causeries. Ah, il faut venir à la maison le soir à bêter, je suis là. On va bien parler. Tu as vu comment il a prêché aujourd'hui. Il fait n'importe quoi. Il a vu, c'est vrai. C'est vraiment moi, j'ai remarqué ça. Tu m'as parlé. Tu m'as montré. Dieu t'a montré. Dieu t'a appelé là. Alléluia. Moi j'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est des révélations. Moi, on va me montrer ça. Oh, confirme là. Alléluia. Tu
ce sont les enfants de la perdition. Et il y a tu m'as dit, ces choses vont vous transformer. Et nous, il y a ces choses vont vous déformer. Ces choses vont vous dénaturer. Alléluia. Donc vous devez être vigilant. Vous devez sanctifier vos oreilles. Sanctifier vos yeux. Vous soyez tout le temps en connaissance. Parce que ces choses sont des semences. Et tout le temps, les semences doivent produire le fruit. Et les gammes, elle va porter 100, 1000. Et c'est le fruit d'iniquité. Et finalement, vous allez vous retrouver. Alléluia. Pourquoi on a commencé ici? Dieu les a inclus. Mais eux se sont exclus. Et même ils ont dit que c'est Dieu qui les a parlé. De venir. Ils sont venus, ils ont témoigné. Ils ont dit à ceux qui sont ridicules, non pas. Dieu n'est pas là. Je suis trop. Je ne sais pas tout. N'est-il pas l'omniscient? N'est-il pas le commencement de la fin? Si Dieu t'envoie quelque part, est-ce que Dieu est si aveugle pour ne pas avoir la fin? Et il vient ici. Et toi, tu dis que Dieu m'a dit de venir. Et après, tu dis Dieu m'a dit. Qui est le problème? Je l'ai dit. Donc, en réalité, tu t'as jamais parlé. C'est pourquoi je ne le suivais pas. Ne les suivez pas. Parce que le but, la finalité, c'est que vous allez vous retourner. Vous êtes au cœur de ces choses. Et la vie de péché même commence pas à devenir quoi appelle et quelque chose de mauvais dans votre vie. Absolument rien. Alléluia. Le péché là, nous voyons. Va commencer par éteindre la vigilance en vous. Parce que va éteindre le feu du Saint-Esprit. Tu n'éteignez pas l'esprit. L'esprit qui te parle, qui dit ne m'écoute pas, ça arrête. Quand tu persistes, non. Tais-toi. Laisse-moi. Alléluia. Les hommes qui discutent même avec le Saint-Esprit. Tu demandes si tu sais. Tais-toi. Je ne le réprime. Oh, c'est le Saint-Esprit qui ne veut pas. Tu cherches le Saint-Esprit. Tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Tu blasphèmes. Alléluia. Amen. C'est du blasphème. C'est pourquoi la Bible demande de marcher avec circonspection. Vous devez avoir une très bonne intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous avez une bonne intimité avec le Saint-Esprit, les choses se passent dans votre vie. Parce que l'Esprit de Dieu vous déforme. Le Saint-Esprit défend sa maison, défend son territoire. Autant les démons aussi. Cherche à défendre. Ils vont dire ah non, il m'appartient. J'ai ma chose avec lui. Alléluia. Amen. J'ai ma chose avec lui. Le Saint-Esprit aussi. Alléluia. Oh le Saint-Esprit. C'est le chef des esprits. C'est le maître des esprits. C'est le créateur des esprits. Et le créateur des esprits en toi. Et tu t'amuses. Et tu vis une vie de légèreté. Alléluia. Amen. Tout ça, ça attise l'esprit de Dieu. Et c'est ce que Dieu va dire. Pas la foudre de Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Alléluia. Amen. Faites croire aux que vous venez ça alors que vous venez même ça. Les gens vous prennent comme des frères alors que vous êtes des ennemis. Alléluia. Amen.
Les gens pouvaient comme des confidents. Amen. Les méchants, les sorciers. Alléluia. Vous prétendez servir Dieu? Quel Dieu? Quel Saint-Esprit avez-vous? Quel Saint-Esprit? Beaucoup. Oh, le cœur rempli. Ça a rempli le cœur. De haine. Alléluia. Amen. De mépris. Parle bondi. Tu es là. Mais que. Si tu veux que l'autre est toujours mal. C'est qui t'a rien fait? Non, on a la tête. Mais quand tu veux faire, ça te fait mal au cœur. Tu as mal au cœur. Et ça toi, tu nous as fou, quoi. Alléluia. Amen. Qui peut remplir ce tel cœur? Si c'est Satan. Mais tu es là, Dieu. Ne m'en est pas non. La jalousie. Dans le cœur, nous va prendre les tuyaux, mais. Jalousie, nous va pas. C'est que la jalousie tu. Mais on nous va pas où la mère. Les jaloux. Nous va là-bas. Les jaloux. Nous va là, nous va tout haut. Nous va pas où la mère. La jalousie tout haut. Nous va pas où la mère. Elle tue. Elle est où la mère. Il n'y a même pas espoir de résurrection. Ah, tu te dis, tu me calais, ne crois pas ton temps. Allez voir ce que la jalousie. Il n'avait pas voyé que nous. Ah, si. Au bout d'un. Allez le voir. Il n'a pas de. Jaloux. Nous pas pas. Et que jamais dit jamais ça vous dit. Ah mais que bon on a pas dit ce que vous voyez. Si tu as la chance dans ton cœur. Non nous on va pas le haut. C'est des signes rempli. Faut pas dire ça. Ah nous le voyons quoi quoi. Yom on va couler mien faut. Alléluia. Amen. Faut pas dire ça. On va couler. Parce que tu vas appeler le jugement sur toi-même. Les mains nous là le bon. Donc on entend le coup aussi. On te cache. Dis que je suis pas encore prêt. Ben ne appelons pas quoi. Ben il me pose son bras le coup. Saint Esprit. Pas quoi quoi. Laisse-moi. Ainsi il me pose son bras. Laisse-moi. Ainsi. J'aime la jalousie. Mais non, papa. La jalousie, c'est mon Dieu. Mon papa, je dois le servir. Mais de la soupe. Alléluia. Amen. Et tout ça, ça attise l'Esprit de Dieu. Et il y aura tant où la gloire de Dieu n'arrive pas à se manifester. Et il y a maintenant. À tous les cœurs divisés. Ah oui, mais maintenant, des soleils de maman. Des cœurs faux. Et Dieu n'y a là pas. Et c'est pourquoi tu as frappé Ananias. Et il y a tellement où pour Ananias, non. Tu as frappé Ananias. Mais où pour Ananias? Pas parce que Ananias a menti comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais non. Tu as frappé Ananias à cause de la sainteté de l'église. Toute l'église est sainte. Séparée. Que prier. Pure. Mais Ananias, Ananias a amené feu et dans l'église. Un peu de temps. Il y a la miséricorde. Et pourtant, il y avait le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas donner petite chance à Ananias de se repentir. Dieu ne s'est pas amusé avec ça. C'est pourquoi il a dit Jésus. Lorsque les cœurs sont unis là, s'il y a un seul un cœur faux dedans, tu vas frapper ce cœur faux. Tu vas frapper. C'est là que Dieu frappe. Si les cœurs sont faux, parce que tous les cœurs sont faux, vous voulez que Dieu frappe comment? Aussi Dieu ne frappe pas, c'est qu'il y a tout le monde est presque pratiquement faux. Dieu va exterminer. C'est ce que ça veut dire. Quand il dit Dieu frappe, non, Dieu va exterminer, pas il va frapper. Il va exterminer. Parce qu'il y a tout le soumis. Il y a tout des puretés. Et ça là, on dit, on veut recevoir le Saint-Esprit. On vient baptiser du Saint-Esprit. Et c'est cette même personne qui parle la langue. Parle la langue. Parle la langue de mensonge. Parle la langue de calomnie. De dénigrement. C'est elle qui parle la langue encore. Ils sont remplis de quoi? Oui, on va plus tard. Qui les a remplis pour qu'ils parlent en langue? Mais qui les a remplis pour qu'ils prophétisent? Mais qu'ils ont pas gloire à Dieu? Qui les a remplis? Mais qu'ils ont? Qui? Mais qu'ils ont? Et tu la présence de ta église. Yo le comment pas me gloire là? C'est pourquoi? Et y a ça. Tout ce qui prophétise. Mais yo quand t'as gloire à Dieu? Ce qui parle en langue. Mais yo tout là derrière. C'est quoi tu vis? Mais ma paix n'est pas en conformité avec la sainteté des églises. Mais où est-ce que tu as des où tu ne parles pas par vous. Non. On vous trouve dans les choses. On vous trouve dans les scandales de rumeurs. Parmi les gens qui s'enseignent pour se moquer. La moyenne de Nanani a brûlé à l'école pour avertir avec l'esprit. Homme de Dieu. Si vous remarquez ça, il faut faire taire la personne en même temps. Si elle ne veut pas se taire, elle ne veut pas se taire, aller chercher Scott. Amen. Ne veut pas, il m'a amené à nous à midi bas.
Alléluia. Amen. Ne s'amuse pas avec la crainte de Dieu. Au moins, la crainte de Dieu. Mais là pour moi. Mais la crainte de Dieu. Mais là son amour. Mais la crainte de Dieu. Donc tu sais que ta vie n'est pas correcte. Comme tu sais que ce que tu fais est mauvais. Comme tu sais que tu as mis les sous dans ta vie. Comme tu sais que tu prends que tes épaules sur les sous les films pornographiques. Alléluia. Révélation du Seigneur. Et ça vient pour suivre l'église. Et maintenant, ça veut pas faiblir l'église. Quoi, quoi toi, Hamia? Ça veut pas déstabiliser l'église. Bon, what the? Rejeter toutes ces choses là. Le mien peut les avoir quand on voit. Alléluia. Voir la puissance de Dieu dans l'église. C'est pour moi aussi, Hamia. C'est pour que chacun travaille sa vie. Eh, ta mère, nous voir donc la petite. Que chacun travaille sa vie. Ah, mais ça, nous voir donc la petite. Que nous parle de la crainte de Dieu. Mais mais le complément qu'on voit là. C'est pas quelque chose. Mais il y a un des. Qu'on dit pas la bouche. Yo, dans la papier nous yo. Alléluia. Amen. C'est la haine du mal. Et il voulait le vent. C'est pas venir chanter là aussi. Mais chanter crème. C'est la haine du mal. Et il y a un foulet le haïssé le mal. Il y a un œuf nouveau. Alléluia. Amen. Vous devez haïr le mal. Il doit un œuf nouveau. Et le mal, c'est tout ce qu'on vient de dire. Et nous vont là, et nous, il y a quand même le couloir. Gloire à Jésus. Lui va toujours, va dans Ephésiens. Ephésiens 4, tu vas encore remonter un peu. Ephésiens 4. Ce matin, nous allons nous réconcilier avec le Saint-Esprit. Et pour se réconcilier avec le Saint-Esprit, nous avons dépouillé des choses qui entourent la maison de Dieu qui est notre cœur. Parce que le Seigneur de venir vous prêcher des choses, mais en réalité, vos cœurs sont remplis. Lis-moi, papa, le verset 28. Et parce que vous êtes à l'époque de la voix. Parle au niveau du verset 17 plutôt, c'est bon. Ephésiens 4, verset 17. J'ai le nom de Jésus. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous devez plus. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez, ce sont les païens qui marchent selon leurs pensées. Selon leurs désirs. Tout ce qu'il passe à tes yeux dans le monde. Il n'arrive pas à faire la part des choses. Il n'arrive pas à sonder. Est-ce que la pensée de Dieu, est-ce que ça vient de Dieu? En quoi ça glorifie Dieu? En quoi ça profite à mes frères? Est-ce que ça profite à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un tire un bénéfice dedans? Alléluia! Amen. C'est ça! Vous devez apprendre à discerner toutes choses. Le problème, c'est que beaucoup pensent que on va se couvrir derrière Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. Et ils ont un quelque soulagement de conscience. Non. C'est pas ça. Regardez bien ce que la Bible dit. Alléluia. La Bible dit que c'est ce que je déclare dans le Seigneur, c'est vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Hier, vous avez la facilité d'insulter, de répondre, de se montrer, rebelle. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas et vous, en même temps, vous revendiquez ou vous ripostez. Même si aujourd'hui à l'apparence vous ne le faites pas, mais le cœur c'est toujours là. C'est pas la Bible que vous devez renoncer à ça. Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Et tout cela avec qui sont étrangers à Dieu. Ils sont séparés de Christ. C'est eux qui marchent en ennemi de la croix. Alléluia. Amen. Ceux qui font, c'est ceux qui amènent le trou. Ceux qui divisent les frères. La Bible les appelle les ennemis de la croix. Ils sont séparés de Dieu. Alléluia. Donc arrêtez. Ils sont comme des agents du diable. Le diable est heureux. Parce que le diable se dit, c'est mieux qu'il soit dans le camp là-bas. Pour qu'il soit tellement inconscient qu'il travaille pour nous. Et nous, on
Tout cela sont les agents du diable. Le diable ne les a pas recrutés officiellement. Le diable ne les a pas engagés. Eux-mêmes se sont engagés. Délibérément pour servir le diable par les armes. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons renoncer à toutes ces choses. Nous devons mourir à toutes ces choses. Faire mourir à nos langages blessants. Et s'il y a quelque parole qui doit sortir de notre bouche, on sera édifié. Alléluia. Amen. Ma manière de parler avec quelqu'un, même en dehors de l'église, le doit refléter. Je dois rechercher la paix. Mais là, vous voyez, quoi? Rechercher la paix. Mais alléluia. Amen. On n'a pas dit chercher, mais rechercher. On va parler de rechercher la paix. On cherche, on trouve encore. On cherche. Alléluia. Amen. Donc nous devons être des instruments de paix. Non, tu vas pas dormir. Ta présence quelque part, qu'est-ce que ça apporte? Il y a des personnes, lorsqu'elles sont absentes, il y a la paix. Il y a la paix. Il y a la paix. Il y a simplement que les choses vont bien. Et nous, les inuits, il y a quelqu'un qui vient là. Mais pas quoi? On ne sait pas ce qui se passe. Il y a des choses. On sent la lourdeur, des blocages. Ces personnes transportent les semences du diable. Alléluia. Je pense que le moment est venu. Tu dois les enterrer. Alléluia. Tu dois demander un cœur nouveau. Un cœur nouveau. C'est ce cœur nouveau qui reçoit le Saint-Esprit. C'est ce cœur nouveau qui doit s'éduquer. C'est ce cœur nouveau qui va pouvoir craindre Dieu. Et la réconciliation des cœurs pourra être une réalité. Parce que quand les cœurs sont unis, Dieu opère. Dieu ne peut pas dans la division. Dieu ne peut pas dans le mélange. Dieu ne peut pas dans la frustration. Il y a beaucoup qui sont frustrés. Alléluia. Beaucoup sont incompris. Ils sont là simplement. Si je ne venais pas maintenant, on va dire pourquoi je ne suis pas. Ils vont venir me chercher à la maison. On va dire la preuve. Je préfère. Assois-toi, tu n'es pas dans ton coin. Quand on va finir le culte, je prends mon sac. Je prends mes deux enfants. Je rentre chez moi. Ça, c'est pas église. C'est pourquoi je vous ai dit chaque fois, le vrai culte démarre à la fin du culte. Le vrai culte démarre après le culte. Lorsqu'on va finir le culte, c'est là qu'on va le culte. Comment ça se passe entre vous? Comment vous arrivez à échanger? Comment vous arrivez à prendre vos nouvelles? Il y a des gens qui ont le culte, ils disparaissent. Ils disparaissent. Et vous dites qu'ils appartiennent au corps de Christ? Ils sont séparés du corps. Parce que si réellement nous appartenons tous au même corps, nous devons prendre nos nouvelles. Mais là, c'est vraiment comment ça se passe à la maison. Et là, même, on profite pour prendre des programmes ensemble. Pour faire des projets ensemble. Dans le Seigneur, il faut qu'il y ait ce moment de communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est pas manger, non. C'est les relations entretenues entre frères et sœurs. En fait, l'esprit de famille, l'esprit d'unité doit caractériser. On doit savoir qu'on est une famille. Nous sommes une famille. Chacun veut Jésus comme père. Oui, oui. Donc si vous évoquez Jésus comme père, nous appartenons à la même famille. Tu es mon frère, tu es ma soeur, je suis ton frère ou je suis ta soeur. Et vous voyez que
dans les familles là, les frères et soeurs se protègent. Même si y a des désententes là, la tempête se calme. Et le beau temps vient. On s'embrasse, on mange ensemble. Alléluia. C'est comme ça. Mais ça a disparu de l'église. Ça a disparu. Et c'est l'attitude de l'individualiste. Chacun pense à lui, à sa famille. Chacun pense à ses enfants. On vient avec cet esprit dans l'église. Pour adorer Dieu. Et on va dire qu'on sera ensemble au ciel. Au ciel. Alléluia. On sera ensemble. Au ciel, il n'y a pas quelqu'un qui va aller dans son coin. Nous aussi, déjà, on a du mal à cohabiter sur la terre. On a du mal à s'accepter. Dieu vous a accepté malgré vos défauts. Dieu sait que tu as des faiblesses. Dieu sait que tu as des imperfections. Mais il te prend comme ça. Et il te dit que non, tu es parfait. Mais qui es-tu pour juger? Il y a des gens qui se transforment en juge. Alors que mais n'arrive pas à voir pour qui est dans l'œil. Alléluia. Amen. Monsieur veut vraiment une famille. Après ça, le type pour moi. Il veut vraiment que lorsqu'il son esprit descend là. Il arrive à toucher les gens. Non, à partir. Et que les gens témoignent de la présence, la fidélité de Dieu. Et que les gens sachent que Dieu est au milieu. Mais lorsque vous venez avec un esprit séparé, avec un cœur séparé, et chacun vient pour lui. Chacun pense à lui. On veut le culte, on rentre à la maison. On pense qu'on parle de nouvelles. Mais on vient aller ensemble au ciel. Je suis pressé pour lui. Eh, mais tu dis pas et puis quoi? À la maison, c'est ça non? Après, mais alors. Pour aller faire quoi? Ma vais en faire. Préparer. Ma vais d'aller. Pour aller voir. Non, c'est ça non? Allô, mon c'est ça non? Mon aîné. Pour aller toi. Ma vais m'en. Donc, arrêtez de prendre pas la présence du Dieu. Ça, mais quoi, j'ai ce moment. Ah, voilà, non, mais quoi, je ne comprends pas la prison. Il faut laisser le moment. Regardez le roi David. Mais quoi, t'es David là? Il dit qu'un seul jour là. Eh ben, t'es quelqu'un. Dans la prison de Dieu, vous le voyez. Le moment, mais où a quoi les cas les vodos? Vont bien ailleurs. Où a quoi les cas les vodos? Arrêtez le temps de comme ne suffit même pas. Les n'y a pas de mettre le. Déjà après ça, on ne va pas regarder. Ah, non, mon Dieu. Oh, le pocaraka. Tu dis le cul. Eh, non, maman. C'est tout ça, tout ça. Oh, vous travaillez durement dans les entreprises. Formulez ou autant, traduit les temps. Vous vendez jusqu'à. Ah, des heures indues. Et Mimi, quand il y avait Carmo, vous ne voyez pas qu'il est l'heure. Bon, il me connaît le Carmo. Il s'agit de la maison de Dieu. Et ne m'en pas mis. Ah, non, il est l'heure. Ah, Carmo, et mettent la pression sur les hommes. Et il y a autant ici dans le monde. Il y a un peu de temps. 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 Il y a donc la prison de Dieu vous suffit. La maman va dans son ami. Dit que vous allez au ciel. Il veut les diplômes. Dieu est pressé. Elle est dit. Allez, vous prenez casserole. Mais il y avait quand il veut se lever. Nous devons utiliser. Donc la prison de Dieu là. Ta maman va dans son ami. Moi, ça pour qui vous n'avez pas le secret. Elle veut même dire mon encore. C'est ce que ça me dit. Elle y a combien. Parce que la présence du Saint va créer en vous la soif de Dieu. Ma bonne, elle a un amour de Dieu. La feu de Dieu. Elle a un amour de Dieu. La feu de Dieu, la soif de Dieu. Ma bonne, de Dieu. Demeurez avec ses frères. C'est ça. Vive avec ses frères. Ma petite fille, c'était tous. Ils ont tous les jours. Quand on le tout, il est sérieux. Pas tu veux comme le voir ici. Il est venu là. Difficilement le dimanche. Est-ce que c'est la quoi la semaine? C'est que c'est le dimanche qu'on calcule. Et quand c'est la quoi on a quoi t'as le calcul? Ah quand t'as le calcul? Le dimanche. Le quand c'est la quoi? Le dimanche. Quand c'est la quoi? Moi je vais laisser à la maison le calcul. Ma pour toi qui allais. Tu as dit que c'est la bonne manière. Non. Moi je vais laisser à la maison. Je vais suivre.
Qui t'a dit qu'on met la force? Qui t'a dit ça? Là où tu es tu mets, ta force, tu puisses seul, toi seul. Tu fais enfant toi seul. Tu es vengé toi seul. Mais si tu gagnes les actes, tu les amènes. Tu les amènes à l'église. Tu les amènes à la maison. Voyez que c'est essentiel. C'est que les gens. Ce gars dit non, moi je veux non. Mais comment à l'église, les gens ne veulent pas laisser la maison. À moi, le moment, nous avons besoin qu'on t'aime. C'est dans la solitude que tu vas trouver. Moi, vous savez pourquoi la solitude, c'est un moyen par lequel le diable utilise pour s'engager les vies. Et dès je priais pour bien-aimé, c'est l'esprit de Lucifer qui parlait en elle. Comment Dieu est venu dans sa vie? Lucifer a dit qu'il est venu par la solitude. La solitude. Vous savez, les personnes qui aiment être du seul. C'est les personnes qui réfléchissent. Alléluia. Des fois, je parle. Tu es seul. C'est un moyen où le diable t'isole. Il te demande, tu as vu d'elle là. Tu as vu comment ça. Tu as entendu ce qu'il a dit, non? Tu as vu. Regarde. Est-ce qu'on peut te faire ça? Non, on ne peut pas me faire ça. Non. Toi, ce que tu devais parler, toi, ce que tu t'énerves. L'esprit entre en toi. Tu es dans l'équipe, tu combats les gars, tout le monde. Ils savent. Alors, tu as la fusion de travail. C'est pas bon. Dieu ne nous a pas appris à la solitude. Dieu nous a appris à la communion. On ne vit pas sa foi seul. On ne vit pas sa foi seul. Non. On vit la foi ensemble. Oh non, non. Quand on a dit shalom, toi shalom qui? Non, mais tu as parlé encore. Toi shalom qui? Toi shalom qui? Shalom, toi tu es shalom. Toi shalom qui? Mais pourquoi c'est ridicule? C'est pas bon. La voix qui vous passe, c'est pas la voix de Dieu. Tu suis la même chose. C'est vraiment essentiel. Tu quittes la chose. Mais la voix de Dieu reste à venir pour sous la chose. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Beaucoup malheureusement des voix mauvaises. Les gens parlent. Donc, au point d'avoir une décision avec beaucoup d'émotions. Et on a un tout. Je pense que c'est Dieu qui m'a parlé. C'est l'Esprit qui m'a parlé. Mais bon, vous comprenez. Faites attention. Si Dieu ne vous parle pas, ne dites pas que Dieu. Non, moi, vous comprenez. Je ne vais pas vous comprendre. C'est là le péché que beaucoup commettent. Ils ne se dépendent pas. Et puis, il y a un peu de l'eau. On voit tout le monde. Les gens seront étonnés. On va les rejeter parce qu'ils ont dit Dieu m'a parlé. Les types pour pas pour moi, Ah, ça fait très mal. Il dit Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je dis. Alléluia. Amen. Voyez, donc vous devez travailler encore sur votre vie. Les choses que nous sommes en train de présenter, c'est des choses qui détruisent la vie de l'esprit. Et ça a fait même votre adoration. Et vous allez constater que, malgré tous les efforts que vous faites, c'est comme si le Saint-Esprit s'est éloigné. Vous sentez que réellement, le Saint-Esprit est né. Il n'est pas là. Bon, comment il est? Vous forcez. On ne force pas le Saint-Esprit. Au moins, tu n'as pas encore. On ne force pas le Saint-Esprit. On ne le force pas. Comment tu dis? Tu as forcé Dieu. Voilà, tu dis. Tu vas le forcer avec quelle force? Voilà, tu peux le forcer. Avec quelle force tu le forces? Donne la force. Tu peux le forcer la force? Ah, tu dis. Tu peux le forcer Dieu. Ah, tu dis. Tu peux forcer Dieu. Ah, tu dis. On ne force pas Dieu. On ne force pas le Seigneur. Dispose-toi. Crée les conditions. Parlez ta maison. Parlez ton cœur. Nettoie ta vie. Nettoyez vos mains. Approchez-vous de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous avez de telles vies, vous allez voir que soit rempli de témoignages.
Si tu n'as pas l'argent des hommes, tu es en paix. Tu es heureux. Le bonheur. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec les richesses. Le bonheur, c'est l'état de ton âme. Et ce bonheur, c'est le Saint-Esprit. Tu as un bonheur qui le crie. Qui le crie? Amen. Des gens qui sont tout le temps angoissés. Ils sont tout le temps inquiets. Ah, mon Dieu, en réalité, le Saint-Esprit n'est pas avec. La Bible a appelé le consolateur. Qui a appelé le consolateur? C'est son rôle. C'est de consoler. C'est de consoler. Il dit que devant les difficultés, tu sens qu'il y a une assurance qui monte en toi. Et tu vois de là de la difficulté au moyen de voir. Le Saint-Esprit engagé dans la personne. Mais une première difficulté, on ne commence pas à se poser toutes les questions. On ne commence pas à faire des calculs. On ne commence pas à faire des analyses. Alléluia. Amen. Tout ça, là, ça attise l'esprit. C'est ce que Ananias et Saphira ont fait. Et ils ont attisé l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont attisé l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Pierre lui a parlé. Comment vous pouvez laisser Satan dans Satan lui veut remplir les cœurs. Il y a des cœurs remplis. Tu vas donner ton cœur. Tu vas lui donner ton cœur. Dis à celui qui est. Est-ce que tu vas lui donner ton cœur? On a mis la voiture de la touche. Est-ce que tu vas lui donner ton cœur? Il cherche des cœurs. Il cherche des cœurs. Elle dit Dio. Il cherche des cœurs. Elle dit Dio. Il y a des candidats ici qui vont lui donner leur cœur. Elle dit à moi que tu as ton cœur. Mais ne laisse pas ton cœur. Non, puis on me gâte ton cœur. Ne laisse pas ton cœur. Mais tu as ton cœur. Elle ne remplit pas Satan. Et Satan. Satan. Sa grande arme qu'il utilise. Ah, bah, on t'a écouté ça. C'est les pensées. Ta me souche. Dans les cœurs. Tout Dio. Alléluia. Quel est l'état de ta pensée? Si vous êtes spirituel, et vous sondez l'esprit qui est dans la personne, c'est parce qu'il dit, ah, moi je connais sur Jésus. Qu'est-ce qui t'a amené à dire tel langage, mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis que tu veux plus sur les autres, tu vas sur Jésus. Nous, quand tu as le problème, il va appeler le gouton, il va appeler Jésus. En réalité, ce qu'il dit, c'est pas faux. Mais à demain, il faut sur Jésus, d'accord? Elle devient son père. Faut pas sur les autres, je suis d'accord. Il m'a cru avec toi, il y a ce qu'il dit, il est faux.
Ce que lui dira est faux. Il est animé de l'orgueil, de la soumission, de la rébellion. Et il doit se répandre. Et des gens comme ça ont du mal à reconnaître le tort. Qui sont en erreur. Qui sont en erreur. C'est les autres qui sont en erreur. C'est les autres qui sont en erreur. Et ils sont sous la lumière. Et ils pensent les plus éclairés. Ils vont Satan va les inspirer des versets. C'est-à-dire que pour confirmer leur égarement. On a vu la Bible que Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement. Mais comme la mort, on a dit que ils ont pensé qu'ils sont les seuls à qui Dieu parle. Ils sont les seuls qui vivent de sainteté. Les autres vivent sur une place spirituelle. Les autres sont charnels. Quand tu vois les autres charnels, et ton langage est charnel. Si vraiment toi tu es spirituel, et que tu vois les eaux charnelles, tu dois utiliser un langage spirituel. Alléluia. C'est comme ça. Ils sont en train de faire croire qu'ils sont bons. Ils sont bons à leur propre vue. Ils se glorifient. Alléluia, de leur vie. Pensant qu'ils sont dans cette vie. Si c'est ton cas, bien aimé, il faut changer son langage. D'accord. Jésus, c'est lui qui t'a mis au milieu des frères. C'est lui qui t'a mis au milieu des hommes. Pour vivre avec lui. Et il est là. Ne peux pas te prendre ton seul, mais ta part. J'ai une communion particulière avec toi. J'ai une activité particulière avec toi. Je te préfère mieux par rapport aux autres. Ça, c'est l'esprit du mari de lui qui peut parler. Alléluia! Pour te réveiller. Il va te parler, je te lis, toi, esprit du mari. Tu es mieux parmi tout le monde. Ah bon? Hein? Ah bon? L'esprit va mettre en bas, va mettre en toi l'orgueil. Voilà, pendant il faut rejeter ça. C'est quoi, vous devez veiller sur votre cœur. Vous devez veiller sur votre cœur. Parce que le Seigneur veut des chrétiens de qualité. Après, quand je dis plus de toi, il y a du. Des chrétiens de qualité. Plus au toi, deux duos. Des serviteurs de qualité. Dans toi, deux duos. Des servants de qualité. Dans toi, nous, deux duos. C'est très important. Et les peuples. Et vous allez voir ce qui va se passer. Pour parler les jours arrivés. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu avec vous. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu avec vous. Alors, au lieu de s'en prendre au diable, cherchez la réconciliation avec Dieu. Cherchez la réconciliation avec votre frère. Laissez le diable tranquille. C'est à cause de ces choses-là que le diable est venu. Mais il faut régler le problème. Si le diable t'attaque, si les sorciers t'attaquent, c'est que tu t'as abandonné. Au lieu de t'occuper du diable, les sorciers. Laisse-moi faire de ça. Après la paix avec Dieu. Pourquoi tu es plus proche? Alléluia. Amen. Si vous voulez rencontrer le faux combat. Mais nous avons dit à la papa. Le faux combat ne finit jamais. À la papa. Le faux combat t'amène à faire des jeunes sur jeunes. Comme si je ne délivre. Je ne délivre pas. C'est comme je le dis. Je ne te délivre pas. J'ai pas dit pas gêné. Quelqu'un me comprend? C'est pas laisser passer que je dois vous dire. Qu'on n'a pas joué. J'ai pas dit ça. Écoutez-moi. Dieu qui transforme les propos là. Le chef de délivre. Non. Vous savez, c'est votre ignorance qui a amené Satan à vous mettre dans les combats. Dans les faux combats. Lui, il crée le combat. Et tu deviens maintenant quelqu'un qui vit du jeu.
Alléluia. Amen. C'est Satan qui t'a amené sur la montagne. Satan a éclairé tout Dieu. C'est Satan. Satan. C'est Satan qui t'a amené sur la montagne. Satan a éclairé tout Dieu. Pourquoi Satan t'a amené sur la montagne? Satan a parce que le rocher. Elle a la Jésus. Jésus. C'est Satan. Un man a le chiou. Tu penses que c'est la faute de Dieu? Il est là quand tu vas être tuto. Que tu vas séduire Dieu. Il n'a absolument aucun. Dieu n'affecte pas Dieu. Ah, tuto va pleinement ou non chiou? Dieu n'a pas besoin de ton jeu. Mais on manque à un petit peu. Les hommes devaient, toute l'humanité devait jeûner pour que Jésus aille sur la croix. Mais moi, qui t'a fait la tine, d'accord? Sur la tine, allons-y. Toute la terre doit jeûner. Anima que t'as la tine, pour que Jésus aille sur la croix. Capi, il y a son aïe assis au ganti. Jésus a coupé l'œuvre. Gratuitement. Il y a fou, un ou toi. Le jeu que nous faisons. Un petit peu comme on a un rôle. Nous-mêmes, le jeûne en réalité affaiblit la chair en nous. Regardez bien, souvent quand vous jeûnez, vous allez voir que vous êtes faible. Quand vous avez du mal à insulter quelqu'un, vous n'avez pas la force pour aller de maison en maison, pour aller faire commérage. Vous n'avez pas la force. Mais dès que le jeu doit finir, ouais, mais quand tu vas voir, vous ne pouvez pas manger. Et là, ça revient encore. Alléluia. Amen. Ça revient encore. Et là, ah, c'est comme si le jeu ne t'a préparé encore pour. Le coule, tu Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que vous faites mal le jeu. Le jeu n'a plus besoin de vous briser. À chaque fois, vous devez faire ce combat spirituel. Le combat sur le péché. Vous avez toujours une décision à prendre. Devant le péché, tu as toujours une décision à prendre. Devant l'impudicité, tu as toujours une décision à prendre. Tu dis non. Pour ne pas satisfaire la chair. Tu as fait. Tais-toi, je ne vais pas te donner à manger aujourd'hui. Alléluia. Amen. On doit apprendre à discipliner le corps. Allez, dis le 10 heures. Mais, Kao, Kao, Alléluia. Amen. Ce que c'est sérieux. Nous sommes pour le papier. C'est sérieux. Ça permet de tuer la chair parce que. Vous savez, il y a cet esprit qui se nourrissent en réalité de votre, de votre appelle, énergie, c'est-à-dire ce que vous mangez là. Quand vous mangez avec ces esprits, arrivez à trouver de pas parce que votre esprit devient faible. Il y a cet démon qui disparaît de votre vie. Parle, je ne pas une vie de jeu. Alléluia. Amen. C'est des esprits. Bon, pardon. C'est une maladie. Dans le toute maladie. Dans le maladie à démon. Dans le où tout n'a pas compris. Dans le cerveau n'a pas compris. C'est pas démon. Dans le cerveau n'a pas compris que tu venais. Et pas le jeûne. Donc tu dis comment? Peut-être. La tête croûteur. Pas la discipline du corps. Mais tu n'as pas ma blanche. Pas l'assujettissement du corps. Mais nous tu n'as dit du douta. Vous devez apprendre à assujettir votre corps pour le mieux. Mais tu n'as souvent à penser à moi tu n'as. On t'a énervé. Oh tout dit non. Tu veux réagir du corps. Tu veux aller dans ton corps. Ni mal ni mal. Parle pas. Tais-toi. Pour moi bien. Pas tranquille. Eh moi carrément. Fonte. Ah non tu vas faire ça. Mais ne mange. Parlez-vous.
Donc, la discipline de la chair, c'est important. Parce que les disciplines de la chair amènent la tristesse de l'esprit. Les disciplines de la chair vous soumettent à toute œuvre de la chair. Ça te plaît, mais tu dis non, je ne prends pas. Ça, c'est un sacrifice. Je suis avec la possibilité. Tu renonces à quoi? Yes, you don't that. Après, quand ils sont venus, ils veulent prendre Jésus, ils sont tombés. Pour un toi, il y a Jésus avait la possibilité de transformer la pierre en pain. Yes, you don't that. Mais la voix qui lui parlait, c'est pas la bonne voix. Alléluia. Amen. La voix qui nous mangeait, c'est pas la bonne voix. Il ne faut pas l'écouter. Si Jésus a pitié, non. Je ne me soumets pas à toi. L'homme n'est pas seulement créé pour manger du pain. C'est les paroles qui sortent de la bouche. Quand ma vie attriste le Saint-Esprit. Amen. Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de. Tu vois maintenant? Quand tu sens les réactions, c'est pas. Je vous prie, s'il vous plaît, vous qui avez des problèmes spirituels, des problèmes de caractère. Et parfois même on vous le dit. Il y a même tu as tes caractères. Vous n'aurez jamais de délivrance spontanée. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça. Il y a des démons qu'on ne chasse pas, fait jamais. Bon, pour eux, il y a des choses que tout tout. Mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous comprenez maintenant? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que l'homme doit vivre. L'homme doit vivre. Et pour vivre, on a besoin de deux types de nourriture. Du pain. Du pain. Du pain physique. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu? C'est la parole. Et ce qui sort de la bouche de Dieu est quoi? Le vrai. Est le vrai pain. Est la vraie nourriture. Entre la vraie nourriture. Entre le vrai pain. Le et le pain. Le pain ordinaire. Apollo, tu as préféré quel genre de pain? Non, celui qui est censé a dit le vrai pain. C'est ça en réalité. C'est pourquoi je vous demande, même si c'est le sujet qui est dans ta vie, parfois on ne cherche pas le sujet par son sort. On le cherche aussi comme ça. Marie de lui aussi. C'est pareil. Il y a ce qu'on appelle l'autodélivrance. Et l'autodélivrance veut assister au Saint-Esprit. Donc, ça veut dire quoi? En réalité, les démons se cachent dans votre chair. C'est en chair que les démons se croient interagissent. Influence. Il provoque votre chair. Elle a tout le même tien. Pour avoir la réaction sur votre corps, sur votre esprit. Donc vous devez apprendre. Ici, on a parlé de manger. Ça peut être de voir. Alléluia. Amen. Ça peut être de regarder. Ça peut être parler. Ça peut être s'énerver. Ça peut être orgueilleux. Alléluia. Amen. Vous devez avoir la discipline. Vous devez avoir la maîtrise. Lorsque ça vient, en même temps, tu dois avoir un système d'alerte. Performant dans ton esprit. Qui l'éveille? L'esprit. Attention. Attention. Toi-même, tu as dit. Je ne vais plus me lever.
Je vais bien jaloux. Je vais bien jaloux. Et parfois, quand tu vois ça, il faut commencer par travailler sur ça. Yes, je vais bien jaloux. Qu'est-ce que je gagne? Non, mais il y a un moment. Je vais bien jaloux. Je vais bien. Dieu fait du bien à l'autre. Moi, ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? C'est ça la question. Pourquoi ça me fait mal? Donc, en réalité, au lieu que ça me fasse du mal, je veux plus que Dieu fasse du bien. Mais tout le monde, il a que nous cherchons le tout. Et ça le fait. Fasse aussi du bien. Non, on y est. Si on peut maintenant. Donc, la compréhension de la jalousie. Des mauvais décisions. Donc, moi, c'est pas venu. Pourquoi ça? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que ça peut faire? Et lui, quand il est capable de la rame. Je lui dis, je ça me fait mal. Vous ne pouvez pas arrêter le monde, mais quand je vois que ah, telle personne se marie, ça me fait y'a mal. Il n'y a pas rien, n'est-ce pas? Ah oui. Pourquoi ça te fait mal au cœur? Quand t'as vu le peu. C'est pas toi, c'est lui. Mais nous, on t'a dit, toi. C'est aussi le cas pour dire, ah, Dieu. Bon. Donc, si tu sais qu'il a donné mari comme le ça. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas encore. Ah, pas j'ai la capacité d'avoir ton mari meilleur que lui. Ah, t'as dit, ça, ton mari, ton oui, toi. J'ai encore la capacité d'avoir une femme meilleure qu'elle. Ah, mais nous, t'es venu à ma foi, mieux, ton oui. Alléluia. Amen. C'est ce que ça veut dire. Au lieu d'être jaloux, d'être meurtre de ta mère. Venez à la bite, il a fait quoi? De telle mentalité. Et comme ça, tu commences pas à être du tout la jalousie. Et il est tout, ma tête, on le tue, on ne va pas. On le tue, on va pas. Il permet au démon. Le démon le plus. L'un des démons les plus dangereux, les plus difficiles à chasser, il y a l'orgueil et la jalousie. Et la jalousie va commencer par devenir faible. Il va te provoquer. C'est lorsqu'il devient faible qu'il te provoque. Et le démon vient encore. C'est la stratégie des démons. Lorsque tu vois que. Il y a une sensation qui te prend. Mais ça peut être la masturbation. Quand tu vois que ça monte, c'est que le démon s'affaiblit. Le démon devient faible. Et fais quelque chose pour que tu viennes qu'il se renforce. Donc tu vas dominer, tu vas te maîtriser. Jusqu'à ce que tu as senti que oui, quelque chose t'a quitté. Il a besoin de te couler. C'est là la délivrance. Il m'a dit qu'on n'a pas besoin de venir te poser la main. On n'a pas besoin. On va te poser la main. On n'a pas besoin. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu as envers à Caïn la possibilité d'être acheté, mais elle a refusé. Tu vois, le démon est en train de venir. Il est en train de venir. Mais toi là, prends le dessus. Caïn a refusé. Caïn s'est blessé. Caïn a lâché le péché. C'est pas lorsque vous sentez la sensation d'aller vite au péché. Elle devient faible. Lorsque le démon est fort dans votre vie, vous sentez que tout va bien. C'est là même les tactiques des mots aussi. Qui vous donne l'impression que tu es guéri, tu es délivré, c'est pas bon. Ça va mieux. Mais dès que lui va se sentir affamé, il va commencer à produire les désirs en toi. Parce que lui se nourrit de ces choses. Mais toi, là, tu me suis ça. Toi, prends le contrôle. Toi, maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Et quand tu fais comme ça, tu ne commences pas à voir ce qu'on appelle la victoire sur le monde spirituel. C'est là où on dit que tu deviens spirituel. L'homme spirituel, c'est celui-là qui ne se soumet pas au désir de la chair. Mais plutôt qu'il se soumet au désir de l'esprit. Parce que l'esprit et la chair ont des besoins totalement contradictoires. La chair veut que tu regardes la pornographie. La chair veut que tu ailles voir les prostituées. Et l'esprit dit non. Parce que l'esprit aime Dieu. L'esprit veut rester du côté de Dieu. La chair veut rester du côté du péché. Nous, tu l'as dit, nous ne pouvons pas partir. Et il va t'attirer. Tu as fait comment? Là, on est comme. Tu as choisi quand? Tu n'as pas dit marcher selon l'esprit? Voilà, sur le corps. Voilà, mais. N'écoutez pas la chair. Mais là, nous tout tirons. Celui qui vous a créé. Amen. C'est lui qui dit, n'écoutez pas la chair. Et il y a comme ça, nous tout tirons. Dieu qui t'a créé. Pourquoi j'ai fait ça? C'est ça.
La chair produit la culpabilité. Nous tirons tout ça triste l'esprit. Et il y a votre esprit est culpabilisé. Si votre cœur vous condamne. Dites tout ce que vous voulez. Alléluia. Amen. On dit le cœur a sa raison. Que la raison ne connaît pas meilleur. Vous comprenez? C'est pourquoi mieux vaut avoir dans ce cœur le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de. C'est pas chaque fois je dis, vous n'avez pas besoin de faire des moments de jeûne pour avoir le Saint-Esprit. Aucun cet esprit ne descend dans le jeu, vous dites, vous êtes débaptisé parce que tu as si ça arrive, peut-être c'est une coïncidence. Pas que je sais vu, je sais avoir vu autre chose dans ta vie. Sinon, alors après toi, c'est pas comme ça. C'est la disposition de ta vie. C'est comme ta vie devient comme une centrale électrique. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, lorsque ta vie est sanctifiée. C'est que lui n'a plus le choix. Parce que lui est en train de chercher. Il cherche. Et elle est type. Il cherche. Elle est type. Où est-ce que je vais laisser? Comme les démons aussi cherchent à arriver. Les démons cherchent là où elle est sur lui. Pour rester. Est-ce que vous demandez aux démons de venir? Vous priez, vous cherchez pour que les démons viennent dans votre vie. Non, répondez-moi. Vous priez, vous cherchez pour que les démons viennent dans votre vie. Vous péchez, non? Même si vous cet esprit. Tu ne pèches pas. Tu vis une vie de sanctification. Elle vit dans ta vie comme ça. C'est comme ça le monde spirituel fonctionne. On me dit, priez pour moi, pour que j'aie le Saint-Esprit. C'est pas comme ça. C'est pas piège. Répentez-vous. Confessez vos péchés. Alléluia. Amen. Que vous soyez baptisé pour le pardon de votre péché. Et vous recevez le don. Puis a dit, répandez-vous, allez faire 40 jours de jeûne. Vous recevez le Saint-Esprit. Puis a dit, répandez-vous, soyez baptisés au nom du Saint-Esprit, allez voir les hommes de Dieu. Pour qui vous mettez dans un programme de baptême du Saint-Esprit. C'est instantané. C'est une grâce. Le Saint-Esprit est grâce. Personne ne fait l'effort pour ce que tu fais l'effort là. C'est pas le Saint-Esprit qui t'en reçoit. C'est le Saint-Esprit. Ceux qui tombent là. C'est lui qui attise le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les gens qui tombent. C'est lui qui attise le Saint-Esprit. On peut soigner quelqu'un qui tombe. Il va se lever quand il va voir l'église vite. Il va penser que le culte est terminé. Alléluia. Mais il va voir les motos là. Il va voir les habits des gens dedans. C'est là, Satan a dit, toi, il te laisse, toi seul ici. Suis-moi. Alléluia. On ne dort pas. On me tend alors. Si on le comprend. Il ne dort pas pendant la prédication, c'est dangereux. On me tend alors le mot. Quelqu'un a dormi dans la Bible, la personne est tombée morte. Ah, mais elle tend la Bible, mais elle gagne un coup, c'est ça. On a des prêchés, il dort. Pour le moment, il n'y a rien. Il dort tranquillement. Elle est dans mon pauvre. Et il fait rêve. Elle est poudre. Elle est poudre. Alléluia. Amen. Elle nous dit qu'elle est tombée. On m'a dit non. Bon. Et qui sait même pas ce qu'il est tombé même. Quel est le diable depuis? Alléluia. On ne dort pas pendant la prédication. On me donne la vie à la prédication. Et il y a un peu de temps. Alléluia. Amen.
Tu sors le sommet là. Non, on le tombe. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Non, là. Tu dois te discipliner. C'est comme ça les démons fonctionnent. Les démons vont en attendant. Il va te distraire. Elle a mis la tête à la sous de la soupe. Elle a poigné. Si tu reviens, souffle encore. Les gens ne veulent pas, ils renfoient l'église. Quelqu'un ronfle là, chaque fois, on va prendre le balai, va chasser le démon de ronflement. Alléluia! On rompt pas l'église. Le Saint-Esprit est prédisposé. Il va nous bénir. Le Saint-Esprit seulement, c'est pas seul, c'est pas que et il va nous dans les dons comme ça. Il est aussi dans toutes choses. Même dans là, ce que tu fais à l'étude dedans aussi. Tu sais le Saint-Esprit. C'est que tu dois des pensées que personne n'a. Il te donne des innovations. Comment quelqu'un peut penser comme ça? Tu sais le Saint-Esprit. Même si tu es femme de ménage, Vous savez pas ça? Cet esprit, je ne peux pas vous marier ici. Ne pas marcher par le Saint-Esprit. Soyez dépendant du Saint-Esprit. Tu peux t'appuyer, demande au Saint-Esprit. Est-ce que c'est bon pour moi? Tu fais les trucs. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Il reste, il dit, attends, je vais te voir. Ah, c'est bon. Non. Les gens vont parler. Alléluia. Amen. Tu sors. On fait tout bien. Ça, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Aime le Saint-Esprit. Elle est bien non pour quoi? Vivez une vie de l'Esprit. C'est-à-dire, il faut que le Saint-Esprit. Elle est pour quoi? Prenne la place de votre esprit. N'a pas même pour quoi? Parce que c'est votre esprit en réalité qui fait tout. Donc il faut que votre esprit maintenant soit mélangé au Saint-Esprit. Et que tout passe par le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, ça passe par le Saint-Esprit. Tu peux bien vouloir aider quelqu'un, c'est non, ne l'aide pas. J'ai un monsieur chemin de prison. Je ne peux pas l'aider encore. S'il vient de toi, ne l'aide pas. Il te dit ça aussi parfois. J'ai envie, mais je sens que je dis c'est pas le moment. Mais c'est vraiment hier, mais tu m'as connu tout pas. Il y a un point d'arrêt. Vraiment que le Seigneur te tête. Mais après, tu as connu tout. Et tu le fortifies. Et là, tu as un peu. Et puis, c'est l'évite, il dit tout. Et là, vite, il vide. Et après, il va dire. Et moi, je vais le Il n'est pas comme ça. Mais tu as un peu de temps. Alléluia. Amen. Donc, celui qui marche Amen, le son. Par l'esprit, le il réussit toujours. Il réussit toujours. Si votre pensée dépend du Saint-Esprit, tout ce que vous faites réussit. Tout ce que vous faites réussit. Parce qu'il vous attire vers les bonnes personnes. Parce que sa faveur, sa grâce t'accompagne. Tu ne seras pas rejeté. Si tu es rejeté quelque part, c'est que là où tu es rejeté, c'est le diable qui travaille. Et ce rejet n'est pas pour ce rejet en réalité est bon pour toi. Que ton acceptation dans ce lieu.
C'est ça, c'est pas que vous devez apprendre à discerner. Et puis là, à quoi les gens vont réussir? Pourquoi? C'est ça, discerner, à comprendre. Qu'est-ce que l'esprit met dans votre voie? Ne jugez pas trop vite. Migal, trop bon. Prenez pas de recul. Migal, un peu c'est moi, apprenez à être patient. Apprenez à être doux du cœur. C'est ce qu'on appelle être doux du cœur. Migal, un peu de recul. Papa. Être doux du cœur. C'est votre papa. Votre cœur ne réagit pas. Il y avait dit mal de blâmer. Votre cœur n'est pas trop sensible. Mais là de blâmer le monde. Aux émotions des autres. Na amoku pobe nu ona. Votre cœur. Il y avait dit là. Prends le temps. Elle a croyé. Après voir des sons. C'est pas beaucoup qui sont fragiles. Et dans le droit au pas. Fragiles. C'est quoi au moins des choses qui réagissent en plus. Le monde là. Au moins tel nous l'avons reçu. Non. Ah. Non. Ah. Lorsque le CTC là, lorsque tu veux là, c'est comme s'il y a encore une couverture qui te couvre encore. C'est comme une défense qui vient encore plus. Elle est pas taouine. Il faut avoir ce cœur doux. Elle est venue à l'eau partout. Ce cœur de terre. Elle dit, n'est pas. Vous allez voir. Et Milakon. Vous allez voir comment vous allez réussir. Milakon est mis à Abuji. Il dit le succès m'appartient. Et Benad Jokonyo, alors nous n'y on est tonne. Le succès m'appartient. Et nous n'y on est tonne. C'est pas ça. Alors Benéa. C'est pas ça. Benéa. Quel est le projet que tu as? Donc, quelle est la fille? Mais si tu as le 7 décembre, vous savez pourquoi les gens du monde réussissent? Parce qu'ils ont affaire avec des démons. Ils ont affaire avec des démons qui les font réussir. Alléluia. Amen. C'est les démons. Donc, en fait, leur support de succès. Le pouvoir qui se cache derrière le succès. C'est les démons. C'est pourquoi il faut aller, gens, il faut des sacrifices. Et on a pour ça. Pour réussir. Pour avoir des grands commerces. Pour donner l'impression aux gens que oui, ils sont riches. Alléluia. Amen. Si les démons pouvaient faire ça. Alléluia. Amen. Quand tu as tout du Saint-Esprit. Qui est le chef des démons? Saint-Esprit est le chef des démons. Je ne dis pas que c'est des démons. Il est le chef des esprits. Il compris les démons et les anges. Donc les démons se soumettent au Saint-Esprit. C'est ça. Ce soumettre au Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit en toi, comment tu ne vas pas réussir? Tu réussiras en toutes choses. Tu réussiras en toutes choses. Mais confie ton projet au Saint-Esprit. Confie le, demande le Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi encore des questions sur l'inspiration. Parce que l'inspiration dit vient de l'esprit. On appelle l'inspiration. Et vous allez voir, le Seigneur va commencer par vous. Mais la fois de la tombe, vous créez les conditions. Elle attend au moins attirer des personnes vers vous. Elle a d'abord même vous parler. Dans ce qu'ils disent, ils vous donnent des idées. Il vous oriente. Et le temps, mon ami. Il confie même ce que vous voulez. Vous rassurez. Alléluia. Donc marchez avec le Seigneur. N'attristez pas le Seigneur. Ne posez pas des axes. Pour attister. Parce que la Bible dit ne vous énervez pas du vin. Tout le monde dit, il aime. C'est ça l'amour. L'amour prend des choses insupportables. Non. Prend des choses
est supportable. Non, non, ton ami, que ce soit un ton chose. Déshonorer l'amour proche, ça est supportable. Non, non, ton ami, que. Au matin, ma chose. C'est comment l'amour vous caractérise. Non, le point de l'amour, comment les gens n'ont pas envie de se séparer. Amour, ma tibé, la vie. Se séparer. On ne se sépare, on s'appelle encore l'autre. Et l'autre, non, ma tibé, la vie. On est sur le chemin. Attends, quoi. Tu vas méditer aujourd'hui. On va prier tout à l'heure. Amen, c'est ça, l'amour. On ne se sépare pas. Non, non, maman, non. C'est ça, l'amour. C'est ce que Dieu veut pour vous. Le dynamique. Pour l'œuvre de Dieu en le détruisant. Oui, ça me tient à toi, moi, ton ami, à toi. Je sais que mon père va mourir. Mais je vais l'utiliser pour le Seigneur. Ma sain, à toi, à côté de moi. Je vais l'utiliser. Ma sain. Je vais le détruire pour le Seigneur. Ma main, à côté de moi. Alléluia. Je préfère ça. Mais normalement, oui. Je vais sortir, aller venger sur le chaussée. Comment il est donc, tu peux m'apprendre. Je sais que je vous corps sera détruit. Mais il y a un peu de temps. Moi, je ne vais pas laisser la terre. Voyez, moi, la vie. Ce corps, non. Ce corps sera détruit pour le royaume de Dieu. Et nous tirons la plume à mort, le père. Ce corps sera détruit pour le royaume de Dieu. Nous tirons la plume à mort, le père. Ce corps sera détruit pour le royaume de Dieu. Nous tirons la plume à mort, le père. C'est ça. C'est ça, aimez-le, Seigneur. C'est ça, vivre en tant que enfant de Dieu. Vivre en tant que chrétien. Chrétien. Approcher la franchement que tu vas à l'église là-bas. Là. Je ne pas nombreux comme ça. Comment tu vas là-bas? Prenez le pouvoir. Tu vas là-bas? Le pouvoir. Non. Tu n'as pas envie de rentrer. Tout le monde a envie de te dire. Tout le monde a envie de te dire quelque chose. Ah, mais ça, mais la vie est appelée là. J'ai dit, est-ce que toi, tu es pour rentrer? Et tout le monde là, il est pour rentrer. Et tout le monde là, c'est ça. C'est ça. C'est ce que Dieu vous demande. Eh, moi, on le dit, tu viens. Ton argent, tu fais quoi avec l'argent? Tu fais quoi avec l'argent? Allons plus tard. Vous êtes capable de servir le service pour ta vie. Ça, c'est le deuxième niveau de la consécration. Et il y a une consécration. Servir Dieu avec son argent. On dit que l'homme est devenu prédicateur de la prospérité. Encore que la prospérité appartient à Dieu. Alléluia. C'est quoi, je dis là? Les vrais adorateurs, c'est là le tout. Les orphelins, les vœux, c'est ça. C'est des investissements sûrs. On dit, venez donner l'offrande, même l'offrande là. Oui, mais maintenant, je veux que les gens qui les calculent. Que les gens créent. Oh, on a compte à l'autre tabou malheureux. Ah, mais il faut les calculs. Oh, on a compte. Il y a tel ce que tu as pas coupé. Il y a tout ci. Il y a cela. Il y a cela. Et regarde. Ils sont les endus qui sont au fond de leur poche là. C'est la joie. Et met les endus dedans. Et pas comme s'ils ont tout le faire. Dieu vous voit. Dis à ce que Dieu te voit. Je te vois. Je te vois. On commence par faire le point des offrandes. Et on le donne en tous les pieds de 25 pas. Eh, fou non. 50 fois. Bien haut. Petit fou. Petit fou. Bien haut. Bien haut. C'est pas que. C'est pas qu'on se moque de ce qu'on fait. Mais il veut le coup. Mais il y a des réalités spirituelles qui est intéressantes. Bon, il y a des avances.
C'est ça le refus de ce tonnerre. Et il y a une question de l'avarice. Et à mon coup, la cupidité. Et que c'est le gâtis. Et du manque de sacrifice. Et il y a du coup, ma soeur, ma tonnerre. Il y a ce temps, chamna. Je vois mon frère la fin du culte. Mais quand on a vigné, le temps, tu vois, nous. Il y a un peu, mais. L'habit qu'il a pour faire le seul pas. Nous, que vous êtes toi, il y a un peu, pour faire le seul pas. Apporte le pompon. C'est vraiment mon ami, mon frère. Et ma quoi l'opinion? Tu vois, je prends les renseignements, tout ça. Tu vis tout, habite tout. Alléluia. Là. Si je veux le faire, je veux le couper bêtement. Non, il y a ton mien. Alléluia. Amen. Je vais acheter. Après. Et nous remettre avec l'argent. Non, pour les tuer. À boire, à tort, à boire. Je vais chercher le meilleur couturier. Alléluia. Dans l'église, est-ce qu'il y a des couturiers ici? T'es là, le pire. Couturier, couturier. Toi là, on me passe ici. Les couturiers, les couturiers, les couturiers. Levez. Me passe ici. Là, comme ça, on a des références. Levez-vous. Tous les couturiers. Mais tu t'es là, la personne qui connaît la suite. Ah, ce sont les couturiers de l'église. Ah, t'es là, yo, le rabat. Il n'y a pas de couturiers. T'es là. Tu m'as pris les hommes. Tu t'en mets là. Bon, les femmes, vous faites tous les hommes aussi, non? Non, mais oui, t'en as un tout le temps. Voilà. Et non. Donc, si quelqu'un. Non, mais. Reçoit une inspiration. Et quand tu es citoyen. Le contact de l'île a dit d'entrée. Ben là, il y a ton quoi. Mais que votre nom soit d'accord. Amen. Donc si le Seigneur met à cœur, quelque chose à faire. Même à un serviteur. Vous savez, on dit celui qui arrose. Ouais, mais que vous dites. Vous ne savez pas chercher les bénédictions. Vous ne savez pas chercher les bénédictions. Vous ne savez pas chercher. Il veut être béni. Il faut que l'effort. Dieu me vous regarde. C'est pas vous aller au ciel. Mais avec beaucoup de peine. Avec beaucoup de peine. C'est-à-dire qu'avec avec justesse. Alléluia. Avec justesse. Parce que la pauvreté va finir par vous. Va vous corrompre votre cœur. Alléluia. Amen. Votre refus d'aider. Maintenant, il y a la pauvreté dans votre vie. Elle a et la pauvreté va ronger votre foi. Et vous allez rater l'enlèvement. Alléluia. Amen. Apprenez surtout. C'est très important. Vous servez dans l'église. Elle est bien de charité. Vous servez dans l'église. Je préfère de l'église et rester affamé. Alléluia. Amen. Là, je sais que c'est dans le royaume de Dieu que c'est rentré. Et je le fais de manière désintéressée. Je ne veux pas donner à son frère. Je sais que demain, il va m'aider. Alléluia. Amen. Ça, c'est un peu intéressé. Ça, c'est ce que font les païens. Alléluia. Amen. Je vais donner à quelqu'un. Je sais qu'il ne va jamais me le rendre. Mais veuve les enfants. Tiens, il va aussi. Mais là, vous allez. Ah, mais s'il y a encore les prières de ces gens-là. Attention. Lorsque l'enfant est quelqu'un fou, quelqu'un qui prie pour toi là. Attention. Tu vas venir tout pour l'entendre. C'est bénédiction sur bénédiction qui nous sort. Il est là pour nous. Parce qu'il a pris la prière avec son âme. Et le papa a tout pour la prière avec nous. Parce qu'il dit, la même façon de te remercier, c'est ça. Allez, que tu as dit, il donne le meilleur de lui-même. Et nous, il connaît nous, les mêmes. Tu vas donner, il ne va pas te prendre. Avec que la nan, nous, il va trop loin, c'est bon. Quand Jésus nous a donné, est-ce qu'on est capable de lui donner? Les mêmes, nous, t'étais là, qui font la histoire. Il faut la faire bien. Il y a un son, nous, chaque jour-là. Et chaque jour. Toujours, fais-nous de charité. Il y a autant, nous. Il nous, toujours, nous, de charité. Il y a autant, nous. Je sais que vous avez les pauvres tous les jours. Je suis venu vers vous. J'ai faim. Vous m'avez pas donné à manger. J'ai soif. Vous m'avez pas donné à boire. J'étais nu. Vous m'avez pas vêtu. Il a juste dit Seigneur, quand est-ce que tu es venu? On ne t'a pas fait ces choses. C'est lorsque vous ne faites pas mes frères. C'est quand vous avez auprès de vous.
Tu veux aimer Jésus? Non, yes, ma. Tu veux vêtir, tu veux habiller Jésus? Et toi, attends, on a yes, ma. Toi, on a un envie que la haute. Amen. Parce que le Dieu qui est le fier, c'est Dieu très bon puissant. Comment est-on Jésus? Alléluia! Acclamons Jésus! Nous sommes de la sainteté. Nous avons le vrai Dieu. Nous avons la vraie puissance. Nous avons le vrai pouvoir. Si nous sommes dans la sainteté, nous marchons dans la sanctification. Et que ailleurs, on voit Dieu opérer. Pourquoi on ne va pas opérer ça? Alléluia! Amen. Je vais chercher ce Dieu de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Nous on est dans la sainteté. On est dans la sanctification. Mais les gens sont dans ça. Et ils sont nous là rien. Mais où es-tu? Démontre-toi aujourd'hui. Je veux te voir. Alléluia. Amen. Je ne se cache pas. Il est fidèle et fidèle. Alléluia. Nous avons la vraie puissance. Nous avons la vraie guérison. C'est parce qu'on ne tombe pas dans l'église. Qui n'a pas la puissance? Alléluia! Amen. Le Saint-Esprit ne fait pas tomber. Il fait tomber des démons. Alléluia! Amen. Il fait tomber des démons. Si tu tombes, et qui a un problème, Dieu est venu régler ça. Et on lui rend la gloire. On va pas chercher tomber. On va nous chercher debout. Amen! Amen. Debout. Il faut que ce soit vrai dans votre vie. C'est quoi le message à toucher ça? Pour que ce qui est dehors soit aussi ce qui est dedans. Et que Dieu soit pour vous. Alléluia. Amen. Donc le peuple que vous avez reçu ce soir. Et puis, que vous croyez qu'il y a? Vous amenez davantage à réajuster votre marche, à reconsidérer là où vous avez vraiment fouté. Je vous ai dit le fait de chercher, de s'attaquer au diable. Non, le diable, laissez-moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas combat spirituel. Il est vêtu. Seigneur, je suis tombé. Seigneur, je n'ai pas compris pourquoi. Seigneur, aide-moi.
Après, Seigneur Jésus, si je t'en prie, pas, dis-moi. Seigneur Jésus, tu me connais. Seigneur, tu sais quand je me réveille. Tu connais le cas de mes pensées. Tu sais quand je me couche. Seigneur, tu me connais. C'est toi qui m'as formé. C'est toi qui m'as créé. Seigneur, en tout temps, c'est toi. Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu es celui qui réveille toutes choses. Seigneur, réveille-moi. Mon état, Seigneur. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi que tu parles de Dieu. Parle-moi de parler. Il y a ça. Oh Seigneur. Oh Seigneur. J'ai comme le péché d'excès de sommeil. J'ai bon, il dormit, Seigneur. Seigneur Jésus, je fais plus de négligence. C'est pourquoi la malheur est venue. C'est le malheur à ceux qui font l'autre état avec négligence. Seigneur Jésus, je me réponds, Seigneur. Allez bien. Et je fais la restitution. Parce qu'une repentance, il ne finit pas par la restitution. Au lieu d'aller chercher, il y a du casque, du carton d'hôtel. Je te chiffre ça. Pour établir la crainte pour permettre à l'Esprit de Dieu d'opérer puissamment au milieu de vous. Et que les paniers, les gens du dehors, soient un grand témoignage que Jésus est au milieu de vous. C'est très important. Donc vraiment, il faut que ça change à part d'aujourd'hui. Il faut que vraiment les relations changent. Alléluia, les relations des différents que ça change. Les relations de chacun pour soi changent. Alléluia. Et que les relations de fraternité soient désormais notre partage. Lève-toi et va faire cette petite prière. Tu vas élever ta voix. Voilà, oui. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire Seigneur Jésus. Tu as révélé ma nuit. Tu as révélé combien je suis éloigné. Seigneur Jésus. Merci.